culturel canadien, quelquefois, fait des expositions collectives internationales. Notre mission, évidemment, est de montrer la création canadienne en France, mais il est très important, quelquefois, de nous situer vraiment par rapport aussi aux artistes français, aux artistes européens et voir d'autres pays encore. C'est l'occasion, avec cette exposition consacrée à la création numérique, dans le cadre, présentée dans le cadre de NEMO, la Biennale des arts électroniques d'Île-de-France, de montrer donc où se situent les, parmi les meilleurs de nos artistes canadiens, aussi par rapport à la scène internationale. On a donc 14 projets d'artistes de différents pays, dont la moitié environ vient du Canada. Mais vous avez aussi beaucoup d'artistes canadiens qui vivent en Europe. Donc, évidemment, les nationalités se mélangent, les artistes voyagent, et c'est ça aussi qui alimente le contenu et la réflexion artistique de ces personnes. Et c'est la richesse aussi de cette exposition que de montrer cette circulation des idées, cette circulation des artistes, ces rencontres artistiques. Il y a beaucoup aussi de thèmes annexes qui traversent cette exposition. L'opacité, par exemple, de l'identité, une identité qui se présente comme évidente, alors qu'en fait, elle est complètement opaque et donc mystérieuse et donc un peu embarrassante, terrifiante même, quelquefois. Ou alors une identité fractionnée, comme dans le travail de Lozano Henner, où le portrait se divise à l'infini et est repoussé sur les bords. Bon. Et puis la transparence aussi des captchas de Ram Bartol. Donc, on a cette espèce de jeu aussi entre qu'est-ce qu'on voit et qu'on comprend versus comment ça nous rejette, en fait. Donc, cette espèce de jeu de cache-cache entre ce qu'on comprend du monde et ce que le monde et le caractère un peu crypté de tout ça est aussi un autre des thèmes qui traverse les œuvres choisies pour cette exposition. L'autre option, ce serait plus le point de vue frontal, serait sur ce mur-là. Alors, juste pour dire, tu disais que tu verrais bien le socle ici. Oui, on est un peu plus vers moi. Cette exposition, c'est une exposition qui s'articule autour de l'idée de décision ou d'instant ou de moment, du moment de la décision, de ce moment qui est capital. Elle a deux parties qui peuvent s'envisager dans un sens ou dans l'autre. Decision making, là qui fait plutôt référence à l'entreprise, à l'économie, à ces moments de décision qui sont parfois autoritaires, souvent de plus en plus collectifs, à l'ère des médias sociaux où tout le monde a un avis. Mais aussi ce temps de la décision qui est parfois avec des algorithmes décisionnels et parfois même d'ailleurs les machines qui décident pour nous, avec nous, même à notre place, ce qui d'ailleurs dans un certain cas peut rassurer ou effrayer. La deuxième partie, ou disons première, peu importe l'ordre, decision making, l'instant décisif. Ici on fait plus référence à l'art, notamment à la photographie, au travers de Cartier-Bresson qui envisage cet instant décisif. Avant l'instant, la photo n'est pas envisageable, après c'est peut-être trop tard. Pour dire aussi que nous devons sans doute, d'un point de vue sociétal, aujourd'hui, prendre les bonnes décisions. Le reste, la lumière se balade dans le verre, dans le feu. Oui, mais moi je trouve ça plus intéressant si on tourne autour, qu'il y en a un devant un autre. Donc, cette exposition est la deuxième collaboration faite entre le Centre culturel canadien et la Biennale NEMO et, bien sûr, Electra, dont je suis le directeur artistique et général à Montréal. Et cette deuxième expo nous permet justement d'explorer, d'aller encore plus loin dans la présentation d'artistes qui travaillent avec au niveau de l'art contemporain, mais en utilisant les nouvelles technologies. Donc, on va parler un peu plus de art contemporain numérique comparativement à, par exemple, à la créativité numérique, qui est plus de l'ordre du divertissement, de l'entertainment, tandis que là, on reste quand même dans le domaine de l'art contemporain, mais avec nouvelles technologies. Cette expo est importante parce qu'elle permet de mettre en lumière, de montrer la diversité des productions qui sont créées au Canada ou plus spécifiquement au Québec, quoique on a quand même un éventail d'un océan à l'autre d'artistes présentés ici dans cette exposition. Cette discipline, l'art contemporain ou l'art contemporain numérique, est quand même une discipline
artistique émergente, mais qui prend de plus en plus de place dans le paysage culturel, vu l'intérêt porté par une certaine jeunesse, la curiosité qu'ils ont par rapport à qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut créer avec ces nouveaux outils numériques, comment aussi aller plus loin que les presets que l'on peut retrouver dans différents logiciels. Donc, c'est pour ça que c'est très important qu'on puisse, dans le contexte de ce merveilleux lieu qui est le Centre culturel canadien, pouvoir montrer ces œuvres-là. Et ce qui est merveilleux aussi, c'est de pouvoir aussi les présenter, les confronter avec d'autres artistes internationaux, notamment français, européens, pour justement créer cette espèce de dialogue et aussi mettre les artistes canadiens devant aussi la création internationale pour justement pousser plus loin, aller plus loin au niveau de leur propre création. Donc, elle est à la fois sur la décision d'arrêter l'œuvre dans sa génération au bon moment, la décision d'une idée, la décision des curateurs, puisque ça se fait à plusieurs. Et donc, on a ensemble décidé de présenter des œuvres qui, finalement, toutes évoquent cette idée de la décision. Ben, derrière moi, il y a un exemple, c'est Aram Barthol. Ici, ce sont les CAPTCHA qui nous demandent de dire ou décider s'il y a ici un bus ou là du désert, et qui, finalement, c'est le robot qui va décider à notre place de nous laisser accès à ce monde numérique. Donc, on parle ici d'accès au monde au travers de décisions qui s'avèrent être des véritables questions sociétales. Et on a voulu, non pas l'illustrer, mais plutôt donner des clés de lecture de ce monde actuel, de ce qui finalement, au regard de l'histoire du monde, ces quelques décennies, même siècles de révolution industrielle, qui ont profondément bouleversé notre planète, il est encore certainement temps de prendre les bonnes décisions, que ce soit quant au climat, que ce soit quant à l'IA ou au data, ce que j'évoquais. Et tous les artistes qu'on a assemblés ici, finalement, portent un regard, d'une manière ou d'une autre, sur la société, les sociétés dans lesquelles on vit, au travers de l'art, au travers de l'œuvre. Et c'est en assemblant ces œuvres aussi qu'on va les faire dialoguer entre elles et qu'elles vont nous dire sans doute d'autres choses que même au moment du montage, on n'imagine pas encore. Alors oui, c'est une exposition d'art numérique, mais en même temps, quelquefois, les questions liées au monde du numérique s'expriment à travers des médias comme la photographie, la sculpture, les œuvres sur papier d'une manière plus générale. Voilà, donc en fait, ce sont des œuvres d'art extrêmement variées qui touchent à beaucoup de mondes et de milieux et d'esprits artistiques distincts et qui sont donc réunis à travers cette thématique du decision making que l'on découvrira donc ici.